Bonjour Jean-Louis, bonjour Alain. Alors, nous sommes ici sur le beau site somptueux du château de Bressuire, en présence de Jean-Louis Copé, président de l'Association des Jeux écossais en France, et de Alain Cadu, célèbre speaker des Highland Games, et d'ailleurs auteur et webmaster du blog, canalblog.highlandgames.com. Voilà. Alors, nous sommes ici, Jean-Louis, Alain, pour déjà annoncer en primeur le bel événement 2015 qui va avoir lieu ici sur le site du château de Bressuire. Alors, Jean-Louis, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, d'abord, on est sur le site historique des Highland Games de Bressuire, où tout a commencé en 1996 et où les compétitions sont devenues officielles à partir de 2003. Toujours la même prairie, toujours les mêmes murs, toujours les mêmes murailles, sauf que la compétition n'a cessé de se développer et le public de revenir de plus en plus nombreux. Donc après des championnats d'Europe professionnels, des championnats d'Europe amateur individuel par équipe, une manche de Coupe du Monde, restait une dernière étape à franchir, un championnat du monde, l'épreuve suprême de la Fédération internationale de Highland Games. Donc ces choses faites, candidature 2009, signature juin 2013 avec la signature de Jean-Michel Bernier, maire de Bressuire, et nous voici dans l'air qui dans 8 mois sera le cadre, nous l'espérons, d'un merveilleux championnat du monde professionnel de jeux de force écossais dans un contexte Highland Games. Et il faut savoir que nous étions en concurrence avec cette grande ville américaine de San Francisco. Oui, un événement porté par la Caledonian Society of San Francisco qui doit en être en gros à la 150e édition. Donc la lutte a été assez serrée, assez âpre, on va le dire quand même. Très bien. On a déjà des candidats au niveau des nationalités qui vont participer. Effectivement, donc le principe du championnat du monde Fédération internationale, c'est de sélectionner 12 athlètes mondiaux au vu de leurs résultats de la saison à N-1. Donc cela fait maintenant pratiquement 4 semaines que Francis Bremner, qui dirige la Fédération internationale, nous a adressé la liste des 12 sélectionnés. Alors 9 nationalités, 2 Écossais, c'est quand même la terre d'origine des Jeux de Force et des Highland Games, 2 Américains, les 2 derniers champions du monde, 1 Néo-Zélandais, 1 Canadien. Et ensuite, tout cela est complété par un plateau européen avec le meilleur que l'on puisse trouver, puisqu'il y a le champion du monde amateur 2013, le Hongrois Fazekas, le champion du monde amateur 2014, que nous connaissons bien à Bressuire, qui n'est autre que le Hollandais Peter Kasbouma, et son second éternel Jimmy Van de Waal, le Belge. Et puis 2 Polonais, Sébastien Venta, qui était là l'an dernier, et son frère Luke, meilleur athlète de la saison en Écosse. Et puis pour terminer, un des chouchous de Bressuire qui était sur le podium encore l'an dernier, l'anglais Scott Ryder, qui, faut le signaler, a terminé deuxième du championnat du monde en 2014. Et il va sans doute considérer en 2015 qu'il sera un peu sur ses terres à Bressuire. Et donc je pense qu'il donnera le meilleur de l'Europe dans la compétition. Ben, gageons Jean-Louis que ça donnera beaucoup d'engouement et puis qu'on suivra aussi. Ce sont des têtes connues aussi, des noms connus, reconnus. On peut parler aussi de nos bookers peut-être, aussi nos locaux, au niveau de nos locaux. Alors comme les années précédentes, depuis 2010, Bressuire organise aussi un championnat Highland Games France pour tous les lanceurs français, qui sont aujourd'hui une vingtaine. Et donc les bookers devraient être nombreux dans la prairie, puisqu'avec les recrutements du début de saison, nous pensons être 9 voire 10 bookers pour disputer le championnat UFOLEP Highland Games France qui aura lieu le samedi matin et le dimanche matin. Néanmoins, si nous avions remporté le titre français 2010, 2011, 2012, 2013, pour 2015, je pense qu'il y aura un sérieux concurrent qui nous viendra du club de Luzerche. Parce que dans les autres clubs également, il y a des recrutements de jeunes lanceurs et ça, c'est très bien pour la pratique du sport en France de voir qu'arrive une nouvelle génération de jeunes lanceurs. Ça, c'est très positif. Eh ben, un très beau programme. C'est aussi grâce à votre travail aussi, votre pugnacité et surtout la pérennisation de cet événement que tous les Bocains, Bressuirais et au-delà de, bien sûr de nos frontières attendent chaque année. Les mondiaux auront lieu exactement le 13 et 14 juin 2015. Et voilà, les 13-14 juin 2015. Et il faut préciser qu'auront lieu à la fois le championnat du monde individuel combiné en 8 épreuves sur 2 jours, et cerise sur le gâteau,
Nous avons le bonheur et l'honneur d'organiser le dimanche en fin d'après-midi l'épreuve suprême, puisqu'il y aura un championnat du monde de lancer de tronc d'arbre, une épreuve avec un tronc d'arbre encore plus lourd, et les 12 concurrents professionnels donc seront en concurrence, en compétition, pour savoir quel est en 2015 le meilleur lanceur de tronc d'arbre, le plus fort lanceur de tronc d'arbre au monde. Et cela, évidemment, c'est au château de Bressuire qu'on pourra le découvrir. Eh bien, écoutez, bravo Jean-Louis. Nous attendons l'événement avec grande impatience. Jean-Louis, vous êtes accompagné de Alain. Alors Alain, bon, plus personne n'ose le présenter. Alain, vous êtes le webmaster très très renommé de ce concours et ce championnat. Vous suscitez beaucoup d'émulation par le biais aussi de votre communication. Vous pouvez peut-être nous parler également de tout ce qui concerne les liens avec nos amis d'Écosse, mais aussi des autres pays étrangers par le biais de votre blog et de vos actions. Oui, ben on essaye d'être un peu la plume et puis la voix des Highland Games, parce que c'est bien beau d'avoir une belle manifestation, mais il faut savoir communiquer et savoir la vendre. Et c'est un plaisir de passer vraiment beaucoup de temps à partager cette passion. Et je crois que ça, c'est vraiment la mission du blog. En espérant que, et en étant sûr même que le grand rendez-vous de 2015 va être fantastique et qu'on va retrouver sans doute les grandes émotions des principaux jeux de Bressuire, notamment 2009 ou 2010, où là vraiment c'était exceptionnel. On arrivait à faire la hola au public, on avait 5 ou 6 000 spectateurs en même temps sur le site du château, et ça c'est exceptionnel pour la renommée de Bressuire et pour la renommée d'un sport et la renommée d'un territoire. Oui, l'ensemble du public participe de façon très active et notamment auprès des jeunes scolaires, Alain. Oui, les jeunes scolaires, on essaye de les mettre dans le coup puisqu'on va organiser cette année, grâce à Jean-Louis, grâce à l'UFOLEP et grâce à un certain nombre de profs derrière Martine Burenry et derrière Pascal Ferchaud, on va avoir une vingtaine de collèges et d'écoles qui participent à un quiz sur le blog des Highland Games. On les met dans le coup et ce qui est intéressant, c'est que leurs profs sont dans le coup et leurs parents sont aussi dans le coup. Donc normalement, ça devrait motiver tous ces gamins et je crois qu'ils sont assez fascinés, assez impressionnés et qu'ils attendent tous avec impatience leur Highland Game. Ça sera, je crois, Jean-Louis, la veille des Jeux, jeudi et le vendredi. Et puis de participer aussi à côté des champions, de voir un petit peu de quoi il s'agit et de rentrer dans cette nouvelle discipline qui est complètement inédite chez nous. Et je crois que ça, c'est une des vertus de Jean-Louis et de son équipe des Highland Games, c'est d'avoir su créer un engouement fantastique autour de ce sport qui, a priori, n'avait rien à voir à Bressuire. Tout à fait. Nous avons aussi donc la petite mascotte, Alain. Oui, alors la petite mascotte qui s'appelle désormais Bucky. Bucky. Qui s'appelle Bucky. Donc Jean-Louis va en parler mieux. Alors Bucky, c'est un petit lanceur de tronc d'arbre habillé aux couleurs de Bressuire, puisqu'il est... on va dire qu'il porte le kilt qui est officiellement le kilt en tartan en Bressuire. Pourquoi la naissance de cette mascotte? Cela remonte à la commande de l'affiche aux imprimeurs. Il y eut un concours d'idées et parmi les propositions, on a vu une proposition donc, d'un imprimeur qui a fait travailler un illustrateur qui s'appelle Philippe Gaufrotto, un bocquin, et qui a dessiné donc un petit lanceur de tronc d'arbre. Et comme il avait isolé ce lanceur de tronc d'arbre, en fait, nous en avons fait la mascotte. Restait ensuite à commencer à décliner cette mascotte dans son utilisation en communication. Et donc, il a fallu lui trouver un nom. Donc, cela n'a pas toujours été facile. La difficulté étant de ne pas trouver un nom qui soit déjà un domaine pris par une marque. Et c'est assez compliqué. Et puis ensuite, on est passé à la réalisation, puisque la poterie de Saint-Pourchaire réalise une mascotte, on va dire, pratiquement en grandeur nature, hein, 80 cm, qui pourra être vue à Bressuire, mais bien au-delà de Bressuire, puisque ça va faire l'objet d'une tournée de Bucky dans le bocage, ou dans le Bressuire, dans le Grand Bressuire. Et c'est à la fois un outil de communication, mais c'est aussi une espèce d'identité. Et je pense que les enfants seront très sensibles à la rencontre avec Bucky, qui, nous l'espérons, trouvera sa place au château dans un avenir proche. Donc rendez-vous de Bucky avec les bocquins, les bressuirais. Et c'est une manière aussi parfois de créer des choses nouvelles
Et une petite mascotte, c'est, ça devient un emblème. Et on veut porter cette communication donc, avec tout le monde et avec Alain, le blogueur, blagueur, comme je l'appelle toujours. Alors nous allons dire ensemble, Jean-Louis, Alain, ben, hooray, 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 voilà. Merci beaucoup Jean-Louis, merci Alain. Et puis à très bientôt, le plaisir de vous réentendre. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.